Manu, un médecin. Salut Didier. Salut Gérard. Bien? Ça va? Ah, non. Comment... Désolé, je te fais pas la bise. T'es malade? Non. T'as pété là? Tu sais que j'ai eu mon brevet de secourisme ce week-end. Ah mais attends, du coup, si je me noie et que tu dois me faire du bouche à bouche, laisse-moi mourir. Oh mon Gérard. Comment tu vas? Oh, attends, ah, vas-y, attends, tire la langue. Hein? Respire fort. Aboie. Ah ouais, y'a un truc quand même. On vient pour le poste de serveur alors. Bah écoutez, parlez-moi de vous. Moi j'ai quand même... Ah, excusez-moi, le poste vient d'être pris là. C'est dommage. C'est pas bien. Non, 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 ne parlez plus. Ne parlez plus à personne d'ailleurs. Regarde Gérard, ça c'est une brosse à dents. Et ça, c'est une brosse à chiottes. Ok? Dents, chiottes. Répète après moi Gérard. Chiottes, dents. Tu ne pas confondre. Tu ne confonds pas. T'as vomi récemment? Genre il y a 30 secondes. Non. Bouche. Les toilettes Manu, je sais de chez quoi je parle. Vérifions, vérifions. Eh, hey, tu sais que sur Doctolib, apparemment, on peut rencontrer gavé de meufs. Non. Des chirurgiennes, des infirmières et surtout des dentistes. Ah, des meufs, quoi. Non, des dentistes. D'après une étude, mâcher 5 chewing-gums par jour accroîtrait ses performances sexuelles. Non. Ouais. Vas-y, essaye. Hein? Vas-y, vas-y. Non. Non, mais hein? C'est juste que les dentistes, apparemment, c'est le top niveau, quoi. Oui, mais t'énerve pas. C'est pour toi que je dis ça, des dentistes, putain. C'est fou. Le Claudia. Ouais, attends deux secondes. J'étais pas prêt. Tu disais? Hein, c'est fou, quoi. Ah, c'est fou. Telle une âme en peine, errant jamais à sa place. Tu dois subir chaque jour ton haleine dégueulasse. Je peux juste... Ouais, bah c'est bien ce qui me semblait, hein. Ta dent sagesse, elle prend racine dans ton trou du cul. Tu sais, quand je m'assois, j'ai mal à la dent. Oh, Manu, ça va? Ce produit est une révolution. Grâce à ces micro-poils intégrés dans la tête du produit, vous allez voir l'application est sensationnelle. Vous êtes prêts? Non. Ah ouais, vous sentez votre corps qui vous dit merci. Ah, c'est hyper désagréable. Pour vous, mais pour nous, c'est beaucoup mieux. 3 fois par jour. Ah non. Ah Manu, qu'est-ce qui se passe? Tu préférerais apprendre que tu pues de la gueule, mais genre personne te l'a jamais dit de ta vie, tu vois. Ouais. Ou que tes parents t'ont adopté. Bah, du coup, c'est pas tes parents. Quoi. Ah, que mes parents, moi. Tu pues de la gueule, mon pote. C'est pour... Comment? Je peux t'adopter? Voilà, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Comment Dire. Si tu en veux d'autres, propose-nous une idée d'épisode en commentaire. Comme comment dire à Pierre Cross qu'il ressemble à l'âne de Shrek, mais voilà, bon, c'est juste un exemple. Ah ouais, non, mais c'est un très bel exemple. On est de retour tous les dimanches sur YouTube avec une nouvelle vidéo, donc abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Allez, à la semaine prochaine!